programme vous est présenté en partenariat avec Remzoui Radio, la web radio référence des hits depuis 2009. Il y a quelques mois, je me suis rendu avec Nance, que vous avez découvert dans les vlogs de l'Ardèche, dans un hôpital abandonné réputé hanté. Après avoir recueilli plusieurs témoignages de hantises sur ce lieu, ma curiosité m'a incité à m'y rendre pour y vivre ma propre expérience. Ce que nous avons vécu ce soir-là fut particulièrement intense, et à vrai dire, je n'arrive toujours pas à l'expliquer à l'heure actuelle. En entrant dans ce lieu, je n'avais pas d'a priori, mais une fois sur place, j'ai tout de suite compris que quelque chose de pas normal était en train de se produire. L'impression qu'une entité suivait nos déambulations à la trace dans cet hôpital avec le K2 est réelle, et les nombreuses questions que nous avions posées ont pour la plupart obtenu des réponses intelligentes. Les coups qui ont résonné dans les couloirs du bâtiment en réponse à nos propres bruits, et les sensations d'oppression que nous avons subies ne peuvent que confirmer l'hypothèse de présence paranormale en ces lieux, et qu'un contact avec quelqu'un ou quelque chose a bel et bien été établi ce soir-là. Les hôpitaux, sanatoriums, cliniques et autres établissements médicaux sont des endroits propices aux phénomènes inexpliqués. Leurs murs recèlent souvent des ambiances pesantes et oppressantes de par leur passé lugubre et parfois tragique. C'est à chaque fois un véritable challenge que d'y franchir les portes pour tenter une communication vers l'inconnu et vers ces âmes errantes qui sont peut-être décédées dans la douleur et dans la peine. Je ne pouvais pas rester dans le doute et dans l'incompréhension face à tous ces phénomènes étranges. C'est donc déterminé et plus que jamais décidé à percer le mystère de ce lieu et de ses éventuels habitants que j'ai pris la route direction l'Ardèche pour retrouver Nance. Nous sommes donc de retour ce soir dans cet hôpital afin d'y mener une véritable enquête. Dans notre monde, l'inconnu attire. L'inconnu fascine. Mais l'inconnu peut aussi faire peur. Certains lieux recèlent des mystères qui ne trouvent toujours aucune explication connue de la science. Nous sommes une équipe de chasseurs de fantômes et nous nous rendons dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Ah, c'est chaud. Waouh. Il y a quelqu'un qui est en train de toucher là. Armés de mon matériel et de mes caméras, nous tentons de rentrer en contact avec des entités et de vous rapporter les preuves de ces manifestations. Ça a claqué, ça fait non. Ça nous a réveillés d'un coup, en sursaut. Aux frontières de l'au-delà, vous allez suivre avec nous nos peurs. Putain. Nos émotions. Non, je sais pas, je peux plus, j'avais une pleurer. Nos enquêtes. Nous sommes JRM Paranormal. Ça y est les amis, on se retrouve pour ce deuxième épisode de la saison 2. Dans un endroit très particulier, un endroit que vous connaissez très bien, c'est l'hôpital que j'ai eu l'occasion de visiter dans le vlog numéro 3 de l'Ardèche. J'étais avec Nance et justement, je suis de nouveau ce soir avec Nance. Salut Nance, ça va ? Salut, ça va et toi ? Bah écoute, ça va depuis le temps, hein. Bon, ça fait 2 mois qu'on a... Ça fait deux mois que t'es parti. Enfin, 2 mois à la date où on tourne ça, évidemment. Là, ça fera plus longtemps du coup qu'un épisode sortira. Donc on est de retour ce soir dans l'hôpital, ici, donc on a eu pas mal de résultats, hein, je confirme l'autre fois. Ouais, des trucs très troublants qui nous sont arrivés, déjà là on entend des bruits, il y a du vent aussi un peu dehors. Mais... Ouais, bon on a tout fermé, hein, donc tout à l'heure, avant la visite de jour, on a fait un tour complet en fait dans l'hôpital pour justement tout fermer et s'assurer qu'il n'y ait personne, puisque la dernière fois on avait peur qu'il y ait des squatteurs, là vraiment on a fait de fond en comble, tous les placards, tous les recoins, il n'y a vraiment personne. On le refera aussi tout à l'heure, juste avant l'enquête, pour être sûr, mais là, en tout cas, pour cette visite de jour, il n'y a personne, quoi. Voilà. Tu confirmes, non, c'est bien. Oui, bien sûr. On a tout fermé, on a pris des précautions. Voilà. Alors, donc, du coup, là, pour vous expliquer un peu, je suis seul avec Nance, du coup, ce soir, puisque, donc, Johanna, en fait, elle a pas pu venir, en fait, elle commençait un travail, c'est assez compliqué, et Morgane, en fait, devait venir, il y a eu une galère en dernière minute, en fait, il y a un blablacar qui devait l'emmener,
Et elle avait une trop grosse valise, ça rentrait pas dans la voiture, du coup elle a pas pu venir jusqu'ici. Donc voilà, je serai seul avec Nance ce soir, donc c'est pas grave, on fait quand même l'épisode. Bah bonjour à tous. Hein. Et en plus ça permet aussi de... C'est dehors, je crois. Ça permet aussi de revivre, pourquoi pas, ce qu'on a vécu ensemble l'autre fois. Voilà, il y en a beaucoup qui ont apprécié Nance justement et qui ont apprécié notre duo, donc ce soir, eh ben écoutez. Bah, merci à tous en tout cas, c'est très gentil. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Oui, aussi, c'est vrai. Merci beaucoup, c'était très 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 plaisir. Donc voilà, juste un petit mot par rapport à ça, du coup, pour un peu vous tenir au courant par rapport aux enquêtes. C'est vrai que on a beaucoup de mal en fait à concilier tous nos vies, pour les dates, tout ça en fait, parce que bon, ben voilà, il y a le boulot, il y a les empêchements de chacun, tout ça. Et c'est vrai que quand on est une équipe, c'est compliqué d'être toujours tous disponibles à la même date. Après, il y a les imprévus de dernière minute, voilà, la Morgane du coup qui n'a pas pu venir, Johanna qui a commencé le travail, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y en a peut-être qui prennent ça comme un manque de sérieux, qui est pas tout le temps l'équipe présente. Dans chaque épisode, j'ose espérer que c'est le vent, mais je sais qu'on a tout fermé en fait. Donc, ouais, essaye d'aller voir, Nance. Ok, on a des talkie-walkie. Je disais du coup, avant d'avoir été interrompu, je pense qu'il n'y a personne, hein, sincèrement. Voilà, c'est très compliqué de tout s'accorder en fait. Donc, c'est vrai que voilà, nous, JRM, moi pour moi, à la base, c'était à la saison 1, qu'on soit. Toute l'équipe à chaque fois dans chaque épisode, et on a très bien vu que ça s'est pas passé comme ça, parce qu'à chaque fois il y en a un qui a un imprévu, un qui peut pas, et du coup quand on cale les dates on peut pas décaler, parce que ben voilà, c'est quand c'est tout planifié, voilà, on peut pas décaler à la dernière minute. Donc à partir de maintenant, ne vous attendez plus en fait à voir toute l'équipe à chaque épisode. Voilà, on va le faire dans la mesure du possible, donc dans l'idéal on sera toujours ensemble. Mais voilà, ne vous attendez pas quand même à voir toute l'équipe présente à chaque épisode, parce qu'on a beaucoup de mal à le faire. Et je préfère le dire parce que peut-être qu'il y en a qui trouvent un peu ça comme un manque de sérieux, qui n'est pas tout le temps toute l'équipe, alors que dans générique, on se présente comme une équipe à chaque fois présente dans toutes les enquêtes. Donc voilà, là, vous n'attendez pas à voir l'équipe à chaque fois au complet dans chaque épisode, parce que ça ne sera pas forcément le cas. Voilà, je préférais le préciser, et c'est par rapport, je vous l'ai dit, au travail de chacun, aux disponibilités, ce n'est pas toujours évident. Donc du coup, dès que des membres de l'équipe seront présents, ils seront là, et ceux qui ne seront pas présents au moment aujourd'hui, on les verra dans l'autre épisode d'après, et puis voilà, c'est pas très grave. En tout cas, donc ce soir, je suis avec Nance qui est là. T'es chaud ou pas pour cette enquête? Bah oui, moi, toujours. T'es chaud? C'est la visite de jour, là, pour l'instant, ça va, mais... Bon, ça va, mais il y a... Je connais l'hôpital par cœur. Donc, tu connais par cœur. Bon, s'il nous arrive un truc, il connaît, ça va. Bon. T'as allumé ton talkie ou pas? De quoi? T'as allumé ton talkie? Ah oui, il faut que je l'allume, ouais. On va essayer de... Voilà, on a des talkie-walkie, pourquoi pas se séparer ce soir. Si la folie nous en dit. Ça serait bien aussi, parce qu'il nous arrive peut-être plus de choses quand on est tout seul. Ouais, peut-être, mais après c'est chaud dans un endroit comme ça quand même. Mais bon, on va tenter. Donc là, comment ça va se passer? On va faire une rapide visite de jour. Bon, visite de jour, il est tard quand même. Il fait presque nuit dehors, mais ça va quand même, il fait encore jour. Donc on va quand même faire la visite de jour, parce que dans tous les cas, le bâtiment est très sombre. Donc dans tous les cas, même en plein jour, il fallait quand même quelques lampes. Donc on va faire une rapide visite de jour. Pour vous montrer un peu les lieux, alors on va pas tout visiter là parce qu'il est hyper grand, rien que tout à l'heure, quand on a tout fermé, on a mis bien 2 heures quoi, avant de tout faire. Quoi. Ouais, on va vous faire voir sur tous les plus beaux étages. Voilà, donc la visite de jour durerait tout l'épisode, donc c'est pas le but. Donc on va vous faire visiter les pièces principales, les endroits les plus conservés et les endroits les plus intéressants selon nous. Ça va être chaud ce soir. Hein. Et puis ensuite donc on fera l'enquête ce soir avec du nouveau matériel que vous avez découvert d'ailleurs dans l'épisode précédent, à savoir le Térémine entre autres et le boîtier Winon aussi. On n'avait pas eu de résultat avec ces appareils là dans l'épisode précédent, donc on verra ce soir dans ce lieu qui est apparemment chargé si on arrive à avoir des réponses, je l'espère en tout cas, parce que ça serait leur premier déclenchement. Il y a des bruits, hein, c'est vrai. Bon, allez, on va aller voir, c'est parti. J'ai coupé les volets. C'est pas grave. Essaye de garder avec toi, ça me permet. Ouais, je l'ai allumé dans ma poche. Allez.
rejoindre l'autre partie du bâtiment. Là, on a l'escalier qui monte aux étages. On va peut-être aller par là, non ? Ouais. Donc ça vous permet de voir cet épisode, cet hôpital, pardon, de jour. Parce que l'autre fois, c'était très sombre dans la vidéo. Comme je l'avais expliqué, j'avais que mon téléphone. Du coup, vous ne voyez pas grand-chose, donc là, ça vous permet de le voir. Voilà. Et alors, comme vous le voyez, dans ce bâtiment qui est quand même bien conservé, bon, il y a quand même des traces de squattage, tout ça, mais c'est quand même bien conservé. Et vous voyez, il reste encore même du mobilier médical, si je peux dire ça ainsi. comme en fait l'épisode 12 de la saison 1, la chambre 13 dans la maison de retraite où il restait pas mal de choses, ben là aussi c'est pareil, vous voyez, il reste pas mal de lits, de fauteuils roulants, tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'indignent un peu de ça, ils ont raison, parce que c'est vrai que ça coûte hyper cher et de laisser ça à l'abandon, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils laissent tout ça à l'abandon, mais bon. Je tiens à dire qu'on sait pas exactement pourquoi il a été abandonné. Apparemment on nous a dit que c'était à cause de problèmes d'argent. Oui, apparemment, ouais. Et parce qu'il n'y avait plus trop de docteurs, c'est ça ? Oui, il n'y a plus eu de docteurs au bout d'un moment. Et en fait, après, ils en ont construit un autre dans un autre coin de la ville. D'accord. Donc celui-là, il a été abandonné, mais je pense que pour plein de raisons aussi. Et alors, aussi, les projets qui ont été donc, envisagés ici, c'était donc un centre commercial, c'est ça ? Un centre commercial et des logements. Et des logements. Comment ça ? Ici. C'est ta voisine qui nous a dit ça. Ah oui ? Ouais. D'accord. Elle a dit qu'il voulait faire un centre commercial ici apparemment, mais ça s'est pas fait parce qu'en fait ça coûte trop cher à rénover. Donc du coup ça s'est pas fait, mais ils avaient un projet de faire un centre commercial. Ah, et mais du coup ils vont le faire à la place de l'usine abandonnée qui a été détruite. D'accord, ouais, ben voilà. Mais à la base apparemment c'était ici et ils avaient aussi un projet de faire des logements sociaux, donc ça c'est souvent le cas dans les lieux abandonnés, mais apparemment ça coûte trop cher à retaper et tout, et du coup c'est pour ça qu'apparemment... Ben, ça a toujours pas été vendu et ça reste à l'abandon. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit ta voisine, je pense que... Non, non, mais peut-être, j'écoutais pas, peut-être pas... Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai pas trouvé énormément d'informations sur ce lieu, donc voilà, à part... Mais je pense que j'ai des photos, il doit y avoir des photos de quand l'hôpital était habité et tout ça. Ouais, ok. Donc au pire, on les mettra. Ouais, on les mettra au pire, ouais. Donc voilà, à part vous dire, en tout cas, pour l'instant, quand on fait le tournage, après peut-être que j'aurai récolté des photos et des vidéos et des informations à la suite de ce tournage, du montage, mais là, pour l'instant, à l'heure actuelle, donc ce qu'on peut vous dire de ce lieu, c'est que c'était donc un ancien hôpital qui a été abandonné parce qu'il n'y avait plus trop de docteurs et parce qu'il se faisait un peu vieux, et du coup, en fait, ils en ont fait un autre qui a remplacé celui-là petit à petit, donc petit à petit, celui-là ne servait plus trop et après, il a fini par être abandonné. Et les projets donc, qui étaient envisagés, c'était donc d'une part un centre commercial s'est abandonné, d'autre part des logements sociaux s'est abandonné aussi parce que c'était trop coûteux pour rénover. Donc voilà, et je crois aussi d'ailleurs qu'il y a un journal, c'est ça là qui ouais, était, ouais. On l'avait vu tout à l'heure, ouais. Un journal de 2009, c'est ça ? Daté de 2009. 2009. Voilà, bon, on va éviter de le montrer pour pas dévoiler l'indice sur la localisation de ce lieu pour le préserver comme d'habitude, mais... En tout cas, il n'est pas très vieux. Si au cas où dans les épisodes, parce que je sais que dans l'épisode qu'on avait fait, le vlog, il y en a beaucoup qui l'avaient reconnu. S'il y en a qui l'ont reconnu, tout ça, n'essayez pas de le dire à tout le monde qu'il a abandonné. Et surtout, n'essayez pas de dégrader, parce qu'entre le moment où on est venu faire le vlog et le moment où on est revenu maintenant, deux mois après, c'est vraiment dégradé encore plus que ça l'était déjà. Donc les lieux comme ça, c'est dommage de les dégrader. Ce serait bien que ça reste... Ouais, grave, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc évidemment, comme a dit Nan, si vous reconnaissez le lieu, n'hésitez pas à ne rien dire dans les commentaires, puisque peut-être vous êtes bien intentionné, et peut-être qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le visiter, bien intentionné, juste pour faire des photos, des vidéos, mais malheureusement, il y en a beaucoup aussi énormément qui s'amusent à tout casser, à tout voler, donc c'est pour ça que malheureusement, vaut mieux éviter de dévoiler même des indices, voilà. Alors attends, du coup on va où ?
Ben, là, c'était le coin retraite, maison de retraite, je pense. Ouais. C'est le coin des personnes âgées. Donc là, c'était le coin des personnes âgées, visiblement, 666. On va monter encore, non? Ah non, c'est la porte qui l'a fermé, Nance. Bon, bon, on va monter, au moins on vous montre plusieurs étages. On va monter au second étage. Tu te rappelles où était la maternité? Ouais. On était à côté. Ok. On est à côté. Ok. Ouais, là, il y a des dégradations. Ouais, là, il y a eu pas mal de dégradations dans cette partie-là. Les gens qui s'amusent à taper dans les murs pour casser, c'est vraiment des coups. Je comprends pas l'intérêt, mais bon, encore une fois, je comprends pas. À part se défouler, mais il y a d'autres choses à faire pour se défouler. Hein. Faites du sport. C'est ça, inscrivez-vous à la boxe. Faites, achetez-vous un punching ball, je sais pas comment on dit là. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de venir dans les lieux pour faire ça, quoi. Mais bon, on va peut-être aller par là. Alors vous voyez, c'est un labyrinthe. Hein. Franchement, il est immense. Ben là, cette partie-là, elle est vachement en bon état, tu vois, je trouve. Bon, il reste rien dans les pièces, mais... Là, c'était une chambre. Ouais, ça, ouais, là, c'était deux chambres. Et ça, c'était une salle de bain. Ouais. Ouais, là, c'était des chambres. Mais ouais, là, c'est... Bon, il reste rien, mais c'est en bon état, je trouve, quand même. Les murs et tout. Ça sent même le neuf. C'est rare, parce qu'en général, dans les lieux abandonnés, ça sent le vieux, le... Voilà. Et là, ça sent... Non, je trouve pas. Si ça sent, là, ça sent l'hôpital. En fait. Ouais, c'est ça. L'odeur de l'hôpital est restée. C'est le vent, c'est là. Ouais, je pense que c'est le vent. Pourtant, on a tout fermé, hein, je comprends pas. Je tiens à dire aussi qu'il y a, pas longtemps, ça date de... Je sais plus quand ça date d'une semaine, je crois. Il y a des personnes qui sont venues, des jeunes qui sont venus ici, qui se sont fait interpeller par la police, hein, qui ont fait de... qui sont été emmenés au poste de police et tout, parce que c'est un endroit qui est interdit. Donc nous, voilà, nous on a eu l'autorisation par la mairie, parce que j'habite ici, donc j'ai demandé l'autorisation à la mairie. Et donc c'est un lieu qui est interdit normalement de rentrer, sans autorisation. C'est un lieu qui est sécurisé, et voilà, c'est avec tous les dégâts. Parce qu'en fait, il y a pas longtemps, si, ça remonte un petit peu, mais il y a eu un incendie ici, on vous fera voir au pire tout à l'heure. Il y a eu un incendie ici qui a fait d'énormes dégâts. C'était des SDF qui s'étaient venus ici, qui avaient fait un feu. Il y a eu énormément de dégâts. Ça a attaqué des maisons autour. Et il y a des personnes qui ont été apparemment pas brûlées, mais qui leurs maisons ont été touchées en fait. Merde. Ça, ah ouais, voilà. Ouais. Donc c'est très 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 grave et ce qui s'est passé. Et du coup, c'est à partir de là que. Qu'ils ont en fait, commencé qu'ils à installer. Ont fermé, voilà, qu'ils ont installé des. Au début, ils avaient mis des alarmes. Bon, là, il n'y en a plus, mais. Ils avaient mis des caméras, des trucs comme ça, et je sais pas s'ils y sont encore, je pense pas. Mais voilà, donc normalement il faut une autorisation pour entrer dedans. Donc ceux qui viennent ici, faites attention et ne dégradez pas les lieux, parce que sinon dans tous les cas vous vous ferez choper. Ouais. Ah ouais, donc là, centre hospitalier. Je vais éviter de trop filmer parce qu'il y a la ville. Allez, on va aller là. Les portes comme ça, j'aime pas. Je sais pas ce que je vais trouver derrière. Merci. Donc là, c'est quoi? C'était des bureaux apparemment. Donc là, on est où? C'est le centre hospitalier. Ah oui, ben là, ouais, c'est l'accueil. Ouais, c'est l'accueil. Ça fait plaisir à voir une vitre qui est pas cassée là. Ok. Ce lieu. Est immense, il est vraiment immense. Alors vous voyez, visite de jour,
C'est tellement sombre dedans que... Là, on est où? On est au premier étage, là? Ça, c'est le deuxième. Ah, on est au deuxième, ouais. Ça, c'était pour laver les bébés. Ah ouais? C'est un endroit pour laver les enfants. Ah ouais? Putain, énorme. Ah, c'est resté en bon état, là, quand même. Vous voyez, là, il y a encore toutes les fenêtres, il y a le miroir, les petites douches pour les bébés et tout. Pied de baignoire. C'était des salles d'accouchement parce consultation. Que, regarde, y a... Ah ouais, ouais, ouais. Peut-être pas accouchement parce que. Je sais pas, mais. Accouchement, ça se met sur un lit normalement, je crois. Mais... Enfin, des gynécos, pareil, ouais, je pense. Parce que ça, de base, c'est là où les femmes s'allongent dessus et que. C'est comme ça, hein, mais elles écartent les cuisses et c'est les gynécologues en fait. Je pense que c'est ce que les gynécologues utilisent pour les femmes. Ah, là d'ailleurs, il y a une fenêtre qu'on n'a pas fermée. Faudrait qu'on la ferme. Donc là, on va aller visiter la maternité, c'est ça? Non, c'est la maternité. Oui, c'est ça, ouais. Je fais attention pour ta mère. Je pense que ça va être une classe de cours d'école. Une classe de cours? Mais du coup, ça a fait aussi école? Bah, je sais pas, ça fait. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, hein. J'aime bien cette pièce, c'est beau. J'aime bien le bois comme ça, là. C'est pas mal. Ouais, c'est cette trappe qui m'intrigue. Ah ouais, putain, j'avoue. La trappe. C'est chaud, là. Ouais. Alors, la maternité, je crois que c'est là. Je vais faire attention de ne pas tomber. Hop. Alors. Donc ça, a priori, c'était un endroit qui était condamné avant. Oui. Et qui ne l'est plus. Alors là, voilà. Les poupées qu'on aime bien, le truc hyper glauque. Voilà, on a une poussette. Ouais, voilà. Donc là, on voit que c'était... vraiment une partie très enfantine. Vous voyez avec les anciens lits. Là-bas, c'est quoi d'ailleurs? Moi, c'est cet endroit-là que j'aime bien. C'est un de mes préférés. T'aimes bien? C'est quoi là? Ça, c'était la baignoire. Ah, la petite baignoire. Oh, c'est trop mignon là, les petits WC. Là, c'est qu'elle est pas mal cette partie. J'imagine, j'ai des images des enfants et tout. Ouais. Voilà. Là, il y a les habitations pas loin. Là, il y a une poussette, petit grou et une petite pièce aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Il y a une autre partie de. Ouais, c'est vrai, il y a des balles, ouais. Il y a pas de peluche, on pourrait le mettre là. Ouais, bah après, peut-être pas forcément en plan fixe, mais on pourra venir ici, ouais, avec le pot de peluche, ouais. Pour essayer. Parce qu'après, je sais pas s'il y a des enfants décédés ici. Ah, mais il y a des enfants, mais en fait, quand t'as des esprits, quand t'as des personnes qui sont mortes à l'intérieur d'un hôpital, ils se baladent dans tout l'hôpital. Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, j'aime bien, là, c'est beau. C'est des petits trucs de jeu, ça, je pense. Putain, mais c'est vachement en bon état, là, tu vois. Là, il y a. C'est trop bien comme ça, quoi. Quand il y a encore tout comme ça, les affiches, c'est trop en bon état, c'est trop bien, quoi, d'être dans des lieux comme ça. C'est trop, trop bien. Bon, on va aller voir l'autre partie. Là-bas. Hop. Alors là. Ah oui putain ouais. Là, le truc hyper glauque aussi. Surtout ce soir dans la nuit, s'il se passe des choses. Ouais. Ah franchement c'est fou quoi. Voilà, les petites peintures. Et
donc là, voilà encore un petit lit là. Là, on a des pièces vides a priori. Ouais, c'est des pièces vides ici. Hein. Oh là, il faut faire attention là, parce que là, c'est vrai que il y a des gens en face, ils savent peut-être pas qu'on a l'autorisation. Donc, du coup, on va quand même éviter de s'approcher trop des fenêtres où il y a des habitations. Ça serait bête de voir les flics rapiquer. Ouais, c'est ça. Dans l'épisode. Il y a une église aussi dans l'hôpital. Ouais, bon, on va aller la voir, ouais, l'église. Ah, là, waouh. Putain, je l'avais pas vu de jour, tu vois. Ah, c'est magnifique. Je me sens bien aussi. C'est quoi ça? C'est des vieux vitraux. Ça devait être un vitraux, ouais. Voilà. Franchement, elle est belle, elle est petite, mais ça suffit quoi pour l'hôpital. C'est un âgé qui est déprié, je pense. Ouais. C'est, je savais pas qu'il y avait ça dans les hôpitaux, mais franchement, c'est super sympa d'avoir fait ça. Oui, ben, même dans le sanatorium qu'on avait fait à l'épisode 2, il y avait une chapelle aussi. Il y a toujours. C'est super joli. Ouais, ouais, non, c'est bien, franchement. Même dans les asiles aussi, des fois, dans les asiles. Au niveau des croyances. Ouais, c'est vrai. Alors là, on arrive dans les parties un peu sous-sol. Enfin, c'est pas totalement sous-sol, mais c'est garage, quoi. Il reste pas mal de choses, d'ailleurs. Ah, ben c'est ici, non, qu'on avait l'eau chapelet dans le vlog. Oui. Et que l'entité voulait apparemment qu'on l'enlève. Ouais, ouais, c'était ici. Ouais. Voilà. Encore beaucoup d'affaires, beaucoup de papiers aussi, comme vous pouvez le voir là. C'est vrai d'ailleurs, on s'est pas encore présenté, on va commencer peut-être à le faire maintenant. Donc bonsoir. Nous sommes déjà venus ici, donc il y a 2 mois environ. On a eu pas mal de résultats avec notre appareil, un boîtier noir. Ça répondait intelligemment, donc on pense que c'était une entité qui était avec nous. Putain, j'ai eu peur là-bas, j'ai cru qu'il y avait une tête. Mais non, c'est chaud. Donc voilà, là on fait juste une simple visite de jour. On reviendra ce soir pour faire une enquête plus poussée avec du matériel. Donc voilà, on espère que vous serez parmi nous ce soir. Et que vous répondrez à nos questions. Ah, les fameux escaliers aussi, où Nance s'est fait souffler dessus, oui. Dans le vlog aussi, c'était là. On va monter tout en haut. Putain, avec la chaleur là, il fait hyper chaud. Là, on est au niveau 4. Il faut monter, ouais. Déjà ? Putain, elle fait flipper cette porte là. Je comprends pas pourquoi elle fait courant d'air là. On a tout fermé, hein. Ouais, donc je vous disais, il fait hyper chaud dehors et même dans le bâtiment, du coup. C'est pour ça que je suis un peu là essoufflé, parce qu'il y a plein d'escaliers. Donc là, on est au dernier étage, et ça, Nance ? C'est ça. Ok. Vous voyez, il y a encore pas mal de fauteuils roulants. Putain, il m'a fait peur, oh putain. Ouh. Attends, je vais aller le rejoindre. C'est par là. C'est moi. Ouh. S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? C'est une blague.
ça peut être un courant d'air, mais je vois pas le courant d'air de quoi en fait, parce qu'on a tout fermé ici. Regardez, il y a tout qui est fermé en fait. On a tout fermé vraiment. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer. En plus ici les fenêtres elles sont en bon état. Regardez, il y a tout qui est fermé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, t'as pas entendu ? Non. C'était derrière moi. Ça a tapé derrière moi. Ça fait comme ça. Ah non, j'ai pas entendu. Attends, putain, si ça commence maintenant, putain, on a aucun matériel et tout. Y'a quelqu'un ? Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ? C'est pas possible qu'il y ait des courants d'air, y'a tout qui est fermé, regardez. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît ? Tapez contre quelque chose. Attends. Tu te rappelles la dernière fois quand on avait tapé comme ça que ça répondait ? Ouais. Quand on tape contre le mur, ça répond, il y a des coups qui répondent. En fait, c'est vrai qu'on vous l'a pas dit, je sais pas si on l'a dit dans le vlog ça d'ailleurs, on l'a pas dit. Le premier soir où on a entendu des bruits et tout, en fait, on faisait des bruits, enfin moi j'ai pas fait exprès en fait, j'ai tapé dans une tôle sans faire exprès, ça a fait un énorme bruit. Je me suis dit putain et tout, s'il y a quelqu'un et tout. Et genre 20 secondes après, il y a eu un énorme bruit. Du coup, je me suis dit, à tous les coups, c'est quelqu'un qui est dans l'hôpital, on s'est dit ça, hein, ouais. Et qui nous a entendu, donc du coup, ils ont fait du bruit pour qu'on comprenne qu'il y a quelqu'un et qu'on parte. Et j'ai dit, je vais quand même refaire un bruit pour voir si ça re-répond. J'ai fait le même bruit, j'ai retapé, bon, volontairement cette fois-ci, parce que la première fois c'était pas volontaire. J'ai retapé volontairement, et pareil, 20 secondes après, ça a fait le même bruit, ça a répondu. Mais même la fois où on a tapé 3 fois, ça a tapé 3 fois aussi. Ouais, c'est vrai. On tapait un nombre de fois sur le mur, ça a tapé exactement le même nombre. C'est vrai. Tapé. Mais ça a tapé où en fait ? Sur le. Là ? Sur le mur là ? T'as pas entendu ? Mais dans quelle pièce ? T'as pas entendu ? J'ai pas entendu parce que j'étais en train de parler, il me semble, j'étais là-bas, j'ai pas... Attends, je vais essayer. S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous répondre à mon appel, s'il vous plaît ? Mais est-ce que tu sais de quelle pièce ça venait ? Là, j'étais là. T'étais là ? Donc là, ça venait de la pièce là. Là, comme ça, il y a eu. Ça venait derrière de... moi. Ça venait de cette pièce là alors ? Non, c'est pas possible. Non ? Ah ben non, ça venait d'où là ? De celle-ci là ? Non, mais ça, c'est un mur. Bah oui, là. Ça venait ouais, de là. De là. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce avec nous ? Tapez contre quelque chose si vous êtes là. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires tout ça que comme par hasard quand Rémi n'est pas à côté de moi et tout, mais c'est pas une blague, moi je rigole pas du tout avec ces choses. Non mais oui. Non. J'y crois énormément à ces choses et je ne rigolerai en aucun cas là-dessus. Dans tous les cas, pour vous dire clairement, je pense que vous avez vu qu'on était... une équipe sérieuse depuis le temps qu'on fait ça, voilà, il y a même des enquêtes où il se passe pas grand chose, donc si vraiment vous voulez faire des résultats artificiels ou je sais pas comment appeler ça, il y en aurait dans tous les épisodes, là vous avez très bien vu que c'est pas le cas, et si aujourd'hui Nance fait l'enquête avec moi, c'est que j'ai très bien vu que c'est quelqu'un aussi qui est sérieux, tout comme moi et tout comme le reste de l'équipe, donc voilà, vous pouvez lui faire confiance, il n'y a aucun souci là-dessus. Sinon, c'est surtout que c'est pas un sujet où on peut rigoler. Voilà, et on ferait pas de vidéo. Si j'avais capté que c'était quelqu'un qui était pas sérieux ou quoi, je me serais pas permis de faire une vidéo avec. Donc vous pouvez vraiment avoir confiance en lui. Voilà. C'est vrai que c'est important de dire aussi parce que du coup, s'il y en a qui doutent ou quoi, après c'est normal, hein.
c'est normal de toujours avoir un doute, mais en tout cas, je peux vous assurer que non, ce n'est pas quelqu'un qui va inventer des résultats ou même en créer, quoi, de toutes pièces. C'est pas du tout notre but, en fait. Nous, on veut vraiment avoir des réponses, quoi, et donc c'est pas en trafiquant des vidéos ou en ajoutant des résultats ou en trafiquant je ne sais pas quoi qu'on aura des réponses. Donc, voilà. Bon, on va aller plus vers là-bas, non? Dans les couloirs là-bas. Donc voilà, je le redis ici, si jamais il y a quelqu'un, on revient ce soir avec du matériel, on pourra rentrer en contact avec vous. Moi, ouais, qui m'intrigue, c'est ça. Est-ce que je le montre? De quoi? Tu vois? Une fois qu'on est venu ici, on a appuyé donc sur cette cloche-là, là, sur la cloche qui permet d'appeler des secours quand on est coincé dans un ascenseur, et ça marche toujours en fait. Ouais, mais attends, ne fais pas trop parce que. Il y a eu un bruit. Ouais. Vas-y, appuie plus, on sait jamais. Tu veux que je fasse écouter le bruit? On l'a entendu, tu l'as fait, on l'a entendu. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Oh, y'a quelqu'un? T'es sûr qu'il y a quelqu'un, Lance? C'est quoi qui te fait dire qu'il y a quelqu'un? Ça a marché. Ouais, mais attends, c'est peut-être paranormal. Ah oui. C'est vraiment l'angoisse. Il fait hyper chaud, je me sens oppressé, il y a des bruits. Alors, elle va être hyper difficile cette enquête, vraiment ici. Ouais, j'entends. Franchement, écoute, on y va au culot, hein. C'est bon quoi. Au bout d'un moment, s'il y a quelqu'un, il part et puis c'est tout. Hein. On va pas y passer 3 heures. Voilà, c'est bon. Au bout d'un moment, ça m'énerve après, donc voilà. S'il y a quelqu'un, ils partent et puis c'est tout. Nous, on a une autorisation dans tous les cas. Donc voilà. Il y a quelqu'un? Je pense qu'à personne. On essaie d'aller. En même temps, je l'ai pas dit, mais. J'ai déjà eu des. Une fois, on est venu avec un ami à moi. Et il y a eu une armoire qui est tombée devant nous comme ça. Alors ouais, tu l'as dit dans le blog. Ouais. Et des bruits de pas, on en entend beaucoup. Là, c'est ce que je viens d'entendre aussi. Mais je sais pas, c'est bizarre. Là, j'ai entendu comme quelqu'un qui marchait, qui ouvrait, qui ouvrait une porte glissante comme ça, en fait. Au bout d'un moment. Vas-y, essaye d'aller. C'est bon. Y a quelqu'un là ou pas? Vas-y, on va voir, c'est bon. Balek. Au bout d'un moment, c'est chiant quoi. S'il y a quelqu'un qui se cache. C'est quoi ça? Non, c'est moi. Je pense qu'à personne. Hein. De toute façon, on a fait la visite tout à l'heure, on a très bien vu qu'il n'y avait personne. Je vous dis, on a fait tous les recoins, vraiment.
On n'avait jamais visité un lieu autant, quoi. Bon, même dans le sanatorium et tout, on l'avait fait pour... Oui, alors si c'est paranormal, c'est un truc de fou. Ouais, mais c'est un truc de malade. Il y a eu encore un bruit derrière, là. Les pas qu'on entend et tout. Il y a quelqu'un avec nous ici ou pas? Il y a un petit bruit là, mais je pense que c'est un truc à craquer. Ça, c'est une zone de squattage. Ouais, là, ça se voit. Mais vu que j'habite là et tout, je sais qui c'est les merdeux qui ont fait ça. Et je sais pas si on va voir la Vierge Marie. Est-ce qu'on la voit là? Pas là. Ah si, là. Ah, attends, je vais essayer de la filmer. Regardez, il y a un très beau monument là. Voilà, regardez. N'empêche, là, c'est une trop trop belle vue d'ici, j'adore. Sur les vignes et tout, c'est trop trop beau. Voilà, et la petite statue là, je vais essayer de vous zoomer. Hop. Voilà. Ouais, donc ici, a priori, c'était une zone de squat. Il y a plus personne là qui vient. Non. Je vais rallumer. Ok. Ah, c'est bon, c'est le sol. Yeah. C'est pas possible que ce soit le vent qui fasse bouger les portes comme ça. Mais y'a rien qui ouvert en plus, putain, on a tout fermé, c'est pas possible ça. Je comprends pas en fait, on a tout fermé. Je pense que l'enquête de ce soir promet, hein, je sais pas, j'espère qu'on aura des résultats, mais ça serait bien qu'on ait des déclenchements d'appareils. En plus, je t'ai dit que c'était l'étage où je me sentais le moins. Ouais, au troisième. Bon, là on a fait pratiquement tout. Hein. Bah, on a fait les meilleurs endroits, quoi. Ouais, enfin, on a fait les meilleurs endroits. Dans un hôpital, voilà, il y a des chambres et... C'est oui, après, de toute façon, ça se ressemble, hein. Toutes les chambres, après, c'est similaire. Il y a beaucoup de pièces vides ça, aussi, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Si quelqu'un sait ce que c'est, ça, dites-moi dans les commentaires. Ouais, c'est quoi, ça, d'ailleurs, c'est vrai. Je sais pas si c'est pour la radio ou quoi. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Oxygène. Ouais, je sais pas du tout à quoi ça servait ça. Je pense que ce soir. Bah, franchement, j'espère, hein, parce que c'est vrai que dans nos derniers épisodes, justement, tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais vivre là des meilleurs trucs de ma vie. Ah ouais ? Putain. Parce que c'est vrai que dans les derniers épisodes, tout à l'heure, on parlait de résultats, et vous avez vu que dans les derniers épisodes, il s'est pas passé grand chose. Donc j'espère que ce soir, la chance sera avec nous un peu. Et qu'on aura des résultats. De toute façon, maintenant, quand on entend du bruit, on ne demande pas s'il y a quelqu'un, on va au ouais, film, ouais. Et puis voilà. Là, je crois que aussi, il y a des bières et tout sur. Bon, ben voilà pour cette visite de jour. Écoutez, on va repartir. On reviendra donc tout à l'heure ici, dans cet hôpital, de nuit, pour faire l'enquête. On reviendra très tard d'ailleurs. Je pense vers 2h30. Ouais. Voilà. Voilà, donc je le redis ici. Si jamais il y a des entités qui sont présentes ici avec nous, on revient tout à l'heure, ce soir, et cette nuit, pour faire une enquête. Donc on aura du matériel avec nous.
Donc du matériel pour essayer de rentrer en contact avec vous. C'est la ligne de fer. Voilà. C'est la ligne de fer qu'on a vu. Ah oui, bah vas-y, ferme. Voilà. Donc on essaiera de rentrer en contact avec vous, on aura du matériel, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous ce soir, tout à l'heure. Et on espère avoir des résultats. Voilà, on espère qu'on pourra établir un contact avec vous et pouvoir, pourquoi pas, vous aider si vous avez besoin d'aide, parce qu'on sait que les hôpitaux, c'est des endroits où il y a eu de la souffrance, où il y a eu beaucoup de décès, donc peut-être qu'il y a des âmes qui ne sont pas forcément en paix ici ou qui ont peut-être besoin d'aide. Ben, écoutez, on pourra peut-être vous aider, pourquoi pas, à l'aide de nos appareils. Pour entrer en communication avec vous. Voilà. Voilà les amis. Donc là on va repartir nous. Là on se ferme les dernières fenêtres là qu'on n'avait pas fermées tout à l'heure. Et on reviendra après. Mais cette enquête s'annonce hyper angoissante, je vous jure. J'ai rarement été aussi angoissé quoi. Je crois que les endroits où j'étais le plus angoissé, c'était à l'épisode 2 au sanatorium, parce que c'était un lieu hyper angoissant. Il y avait aussi, évidemment, quand j'étais seul dans la maison habitée de David à l'épisode 9, c'était hyper... Attends. Je sais pas, j'ai... Et là, je sais pas, il m'angoisse ce lieu, en fait, je sais pas pourquoi. Bon, il c'est grand. C'est un hôpital. Ouais, c'est un hôpital aussi, c'est grand. On sait qu'ici, il y a eu des morts et tout dedans. C'est vrai que les hôpitaux comme ça, c'est toujours angoissant, puis c'est immense et tout, donc il y a une part aussi de psychologie. Hein. Bon ben voilà, en tout cas, nous on redescend là. On va aller un peu se poser, on reviendra tout à l'heure, on va refaire un tour complet avant l'enquête pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et on revient juste après avec tout le matériel. On mettra des plans fixes aussi, comme d'hab, avec... du matériel donc qui sera surveillé par les plans fixes. Et voilà, bon, on va se quitter là. À tout à l'heure, Nance. À tout à l'heure. Pour cette enquête qui s'annonce. Très. Ciao. Ciao. Ciao, choc. Non, on verra. J'espère qu'on aura des résultats en tout cas, mais c'est vrai que ce lieu est très prometteur. J'espère en tout cas qu'on en aura. Allez, on se retrouve donc dans quelques minutes, on va aller un peu se poser, on revient juste après pour l'enquête de lui, c'est parti. Nous n'avons finalement que très peu d'informations sur le passé de cet hôpital. La construction du bâtiment a débuté avant la révolution de 1789 pour succéder à un hôpital fondé au XVIe siècle. Achevé après 1800, il a été modifié au cours des deux siècles suivants, puis désaffecté en 2008. Pendant de nombreuses années, des religieuses et de très bons docteurs donnaient des soins dans cet établissement. Ce dernier était composé de plusieurs bâtiments, dont une maternité et un hospice. Et certains d'entre eux étaient dans un état de délabrement avancé, avec des équipements vétustes, des températures élevées et des chambres sous les toits avec une seule petite fenêtre et des barreaux pour éviter tout suicide aux patients. C'est ce qui lui vaudra finalement sa fermeture quelques années plus tard, au courant de l'année 2008. Il fut transféré au sein d'un autre établissement début 2010. Des projets de rénovation ont alors été évoqués, tels que sa reconversion en logements sociaux ou encore en centre commercial, mais rien n'a finalement abouti, faute de budget. Cet hôpital est donc resté à l'abandon durant toutes ces années, et le temps semble s'y être arrêté. La nuit vient de tomber, et il est donc temps d'affronter le mystère qu'il renferme, équipé de mon matériel et de mes caméras. Nous allons passer l'intégralité de la nuit dans cet hôpital pour tenter de rentrer en communication avec des entités qui hanteraient encore ces chambres et ces longs couloirs oppressants. Nous espérons évidemment pouvoir obtenir des résultats et ainsi pouvoir prolonger le contact que nous avons eu la chance d'obtenir lors de notre premier passage dans ce lieu. Nous risquons fortement de ne pas être au bout de nos surprises. Bon allez, ça y est les amis, c'est la nuit, on est prêt pour cette enquête de nuit dans l'hôpital, toujours avec Nance qui est là. Salut. T'es prêt Nance ? Ouais. je ressens pas mal de choses. Ouais. On verra bien. Bon. Il est 2h49. Ouais, voilà, 2h49. Alors on a quand même un portable au cas où, hein, s'il nous arrive quelque chose, évidemment, il est en mode avion. On est en mode avion, vous inquiétez pas. Essayez de nous faire une petite démonstration avec le K2, hein, pour bien montrer que ça ne déclenche pas. Voilà. La lampe non plus. Il n'y a rien du tout. Hein. Vous voyez, le K2 est actuellement allumé. Ah. Donc voilà, évidemment, en mode avion, le K2 ne déclenche pas. Voilà. Ceux qui disent le contraire, essayez chez vous et vous verrez que vous avez tort, malheureusement pour vous. Voilà.
Donc du coup là, ce qu'on a fait, c'est que on a positionné donc le pod ici. On a mis donc plusieurs plans fixes. On a mis donc un plan fixe au troisième étage qui filme le térémin, qui filme le détecteur de mouvement lumineux et qui filme également le vibrapod. Donc le vibrapod, je rappelle que c'est, il détecte en fait les vibrations. Et on a mis au premier étage un plan fixe qui filme le pod avec l'antenne. C'est toi, Nance ? Oui. Ah, ça va. Et également l'appareil qui fournit l'énergie, qu'un abonné nous avait donné, enfin créé d'ailleurs. Encore merci à lui. Donc voilà, on a mis ça. Et nous, donc là, on va garder avec nous donc le K2. Et donc là, on a mis le pod peluche ici et un autre pod là-bas. Je sais pas si on va. Voilà, oui, bah c'est bon, on le voit là. Ouais, ouais, nickel. Voilà, il est là, regardez, hop. Voilà, donc on les a mis là parce que là, pour l'instant, on va rester sur cet étage-là. Là, on est au deuxième étage. Donc on va rester là pour l'instant ici. On va essayer un peu de déambuler dans le couloir, dans les pièces et tenter d'interpeller les éventuelles entités du lieu s'il y en a avec nous ce soir. Voilà. Donc non, c'est le K2, c'est bon, il est allumé, ouais, nickel. Allez, c'est parti. Donc bonsoir. Nous sommes donc ici ce soir pour faire une enquête. Voilà, donc on vous l'a dit précédemment. On reviendrait donc pour faire une enquête de nuit. Donc là ce soir on est là pour comme prévu pour cette enquête. Donc on est déjà venu ici il y a environ 2 mois. On a eu des résultats avec un de nos appareils que justement Nance est en train de tenir dans les mains. Donc cet appareil s'est déclenché et ça répondait donc de manière intelligente à nos questions. Il déclenche. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu de bip mais il est monté dans le verre. Pourquoi il n'a pas fait de bruit? Normalement il fait du bruit. Est-ce que tu l'as pas secoué? Peut-être sans faire exprès. Ouais. Ok, c'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça, ouais. Donc, vous avez déclenché cet appareil il y a environ 2 mois. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça répondait donc de manière intelligente. Donc on en déduit que c'est une entité qui était avec nous ce soir-là. Apparemment c'était un homme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester. On est là ce soir, uniquement ce soir. Donc on voudrait tenter de rentrer en contact avec vous si vous le souhaitez. Pourquoi pas pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Ou alors, si vous avez des messages à faire passer, ben, on peut peut-être les recevoir avec nos appareils. Donc là, l'appareil que Nance tient dans les mains, il faut simplement vous approcher pour le déclencher. Et vous avez également 2 appareils qui sont vraiment sans danger, hein, n'ayez pas peur. Dans le couloir, il y a donc un appareil rouge là-bas, que je montre du doigt, là-bas. Et vous avez également une peluche qui est donc dans le couloir également. Donc il vous suffit de la toucher également pour qu'elle se déclenche. Et on pourra donc établir un dialogue. Pourrais-tu ? Il déclenche. Ouais, il se déclenche. Alors. Bonsoir. Alors, là, vous êtes en train visiblement de le déclencher. Est-ce que vous... Vous êtes avec nous ? Si vous êtes avec nous, pouvez-vous déclencher le K2 que j'ai dans la main, s'il vous plaît ? C'est exactement pareil, ça fonctionne pareil que l'appareil que vous êtes en train de toucher. C'était quoi ce bruit? Ouais, il y a eu un bruit, sa mère. C'était quoi ce bruit? Putain.
tiens à m'excuser pour les gros mots d'avance. Je suis désolé, mais quand je suis stressé, je... Alors, merci s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter de le déclencher, s'il vous plaît? On peut tenter d'établir un contact, mais si vous le déclenchez comme ça, on peut pas comprendre. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? On peut pas comprendre. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Comme ça, on peut pas comprendre. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Oh putain. Il bug ou pas? Non, il bug pas. J'en profite aussi pour vous communiquer également qu'on a mis du matériel au premier étage. C'est le même principe que ça en fait, hein. C'est un pod, ça s'appelle un pod avec une antenne, il vous suffit de vous approcher de l'antenne. Et on a mis un térémine en haut, tout en haut, au troisième étage. Donc pareil, il faut vous approcher de l'antenne et c'est un instrument de musique en fait. Plus vous vous approchez et plus ça va faire du bruit. Voilà, donc n'hésitez pas également à utiliser ces appareils si vous le désirez, si vous le pouvez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? On va essayer de rester là quelques instants, t'as encore le K2. Il y a le K2, hein. N'hésitez pas à le déclencher dans ma main, vous inquiétez pas, il est dans ma main mais je vous ferai aucun mal, c'est... on est vraiment là pour vous aider, vous inquiétez pas. Je viens juste voilà, essayer d'établir un contact avec vous pour échanger quelques paroles. Et en aucun cas on vient vous faire du mal, donc n'hésitez pas à vous en approcher et à le détecter. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir dans cet hôpital? On s'adresse à toutes les entités qui peuvent abriter ce lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez déclencher un de nos appareils? Ou alors faire un bruit, taper contre quelque chose, une porte, un mur? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Approchez-vous de nous. La dernière fois, je vous ai demandé de me souffler sur l'épaule et j'ai eu un soufflement. Est-ce que c'est vous qui m'avez soufflé sur l'épaule? Si c'est vous, pouvez-vous faire déclencher un de nos appareils, s'il vous plaît? Ça nous confirmera en même temps que vous êtes avec nous. N'hésitez pas à vous manifester, hein, vous inquiétez pas, on ne vient pas vous faire de mal. Alors, une petite parenthèse, vous voyez certainement qu'on n'est pas... Je fais attention, c'est des choses par terre. On n'est pas habillé comme cet après-midi, en fait, tout simplement parce qu'on s'est changé. Hein, voilà. Je préfère le dire au cas où.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? On veut rentrer en contact avec vous, avec les gens, les personnes qui ont séjourné ici, qui ont été soignées ici, qui sont peut-être décédées ici malheureusement. Le pote, en face. Qu'est-ce qu'il y a? Il a la lumière rouge. La lumière rouge revient. Essayez de déclencher de manière plus intense, en vous rapprochant plus de l'antenne. Essayez de toucher l'antenne si vous en avez la capacité. Alors là, ça le déclenche énormément, mais ça fait pas de bruit et c'est lourd, je crois. Ah mais c'est encore le rouge. Bon attendez. Vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez arrêter de le déclencher et le déclencher uniquement en réponse à nos questions s'il vous plaît? Est-ce que ça vous amuse de déclencher le pote? Est-ce que ça vous... Est-ce que vous pouvez arrêter de le déclencher, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on peut pas comprendre comme ça, on voudrait vous poser des questions. Merci. Nous venons seulement de débuter notre enquête dans cet hôpital et nous assistons déjà à des événements qui attirent notre attention. Il y a tout d'abord le REM pod qui se déclenche de nouveau sur la fonction de la température, qui est traduite par une variation anormale de cette dernière en peu de temps. Ce déclenchement survient étonnamment juste après mon incitation à déclencher nos appareils, et notamment les différents pods. Cependant, difficile de savoir si ces déclenchements sont réellement à prendre au sérieux. Ce ne sont effectivement ni l'antenne, ni le boîtier du pod qui sont touchés par quelque chose. Ce phénomène repose donc uniquement sur une fonction implantée dans cet appareil dont nous ne connaissons finalement pas tous les paramètres. Nous avons eu néanmoins des déclenchements similaires très troublants dans l'épisode précédent avec ce même pod, qui ont été décelés comme étant du morse. On peut donc penser que les éventuelles entités peuvent effectivement avoir un impact sur cet appareil, afin de répondre à nos sollicitations. Chacun se fera évidemment son propre avis sur ces pratiques, qui peuvent tout de même trouver une explication rationnelle. Mais ce sont plutôt ces bruits qui restent les plus marquants pour ce début d'enquête. Comme un coup donné contre quelque chose en fer à quelques mètres de nous. Mais surtout une activité très mystérieuse au troisième étage, filmée par la caméra du plan fixe. Une porte qui claque en sachant que tout est fermé, d'autres bruits difficilement identifiables et le déclenchement du vibrapod, qui détecte ainsi des vibrations sur le plancher du couloir de cet étage. A priori, aucun élément anormal et aucun animal ne semble être à l'origine de ces soudains déclenchements. Nous allons poursuivre nos déambulations dans les couloirs du deuxième étage de cet hôpital, en rejoignant maintenant l'aile opposée. Bon, là, on est toujours au deuxième étage. On est en train de mettre des pods un peu dans les chambres. On va essayer de déambuler dans cette partie-là du bâtiment. Tiens, allume-le, il n'est pas allumé. On va essayer un peu de déambuler dans cette partie-là. Il y a là-bas aussi. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ici, je crois qu'il est. C'est où, Nance, cet après-midi que t'as entendu le coup, là? C'était là ou pas? Je confonds, là, du coup, je me rappelle. Non, pas du tout. C'était pas là? Pas du tout. Ok. Tu l'as mis dans l'autre chambre, là-bas? J'ai mis le pod peluche ici. Ok. Et l'autre pod derrière, là-bas. Ok. Bon. Allez, on va éteindre les lampes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? N'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main. On voudrait rentrer en contact avec vous ce soir. N'hésitez pas à vous manifester en faisant des bruits ou alors en déclenchant nos appareils. C'est sans danger, n'ayez vraiment pas peur. On est déjà venu ici et cet appareil s'est déclenché.
beaucoup, et ça répondait vraiment de manière intelligente. Donc si vous êtes là de nouveau ce soir avec nous, bah, n'hésitez pas à nous montrer votre présence. Est-ce qu'il y a des entités dans cet hôpital? Des personnes qui sont encore ici, entre ces murs? Qui sont décédées ici? Qui ne veulent pas partir pour des raisons, pour quelques raisons? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que pour vous, ce bâtiment-là et votre maison et votre... C'est là où vous voulez vivre. Pote. C'est tout le temps lui qui se déclenche. Ouais, mais le problème c'est que c'est toujours les lumières rouges. Ben c'est ça, je comprends pas. Fais pas jouer de tout à l'heure quoi, à répétitif, répétition. Non. Ouais, non, là ça l'a fait. Tout le temps, tout le temps. On a mis une peluche dans la chambre du fond. Est-ce que vous pouvez la toucher s'il vous plaît? Il suffit de vous approcher, c'est sans danger. Allez-y, on patiente. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez déclencher cette peluche? Touchez-la, elle est vraiment sans danger, n'ayez pas peur. On pourra établir un contact, c'est encore lui qui se déclenche avec le rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? À cet endroit précis? Si oui, pouvez-vous déclencher le K2 que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Et pouvez-vous faire déclencher le pod comme ça? Si vous avez la force de le faire, s'il vous plaît. Ou le K2. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à la prendre sur ma lampe. La dernière fois, on a eu vraiment beaucoup de résultats et des choses qui nous... C'est bizarre ce truc. Pouvez-vous déclencher le K2 en même temps qu'il y a à côté, s'il vous plaît? Donc le K2, c'est l'appareil noir, qui est juste à côté. Est-ce que vous pouvez le déclencher, s'il vous plaît, avec la lumière verte?
sommes venus ici et on a, sans faire exprès, tapé contre un mur. Et vous nous avez répondu en tapant sur un mur aussi et en faisant exactement les mêmes bruits. Nous avons tapé trois fois, vous aviez tapé trois fois. Est-ce que c'était vous? Est-ce que si je le fais, vous pourriez me répondre? Je vais taper trois fois, si vous pouvez me répondre, pouvez-vous le faire s'il vous plaît? Un bruit quoi. Ah ouais, c'est ça le truc, c'est calme quoi. Putain, la dernière fois on avait juste le téléphone, on filmait, il y avait rien. Mais y avait plein de choses et là quand on a les gros matériels et tout, il se passe rien. C'est ça, mais c'est aléatoire. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est tellement aléatoire. Dans un lieu, il peut se passer des trucs de ouf et un autre jour, plus rien se passait quoi. Bon, on est qu'au début, hein, mais c'est vrai que là pour l'instant c'est calme. Après, c'est peut-être cet étage là. Hein. Peut-être qu'on n'est pas au bon étage. Moi, je suis sûr que au troisième étage, il y a des trucs. Au troisième étage, bon, de toute façon, on a mis le plan fixe, mais bon. On a le plan fixe au troisième étage. Après, bon, évidemment, à l'heure actuelle, peut-être qu'il s'est déjà passé des choses au troisième étage, mais on ne sait pas parce que c'est le plan fixe. Donc, je verrai ça à l'analyse des images, mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est calme. Nous ne sommes évidemment pas au courant sur le moment de ce qu'il vient de se passer au troisième étage. Et c'est seulement quelques semaines plus tard, lors de l'analyse des images, que je vais les découvrir. Aussi incroyable et terrifiant que cela puisse paraître, quelque chose de conscient et d'intelligent vient clairement de taper 4 coups en réponse aux coups donnés par Nance. C'est maintenant une certitude. Les coups que nous donnons dans les murs de cet hôpital reçoivent des réponses. Et nous venons une nouvelle fois d'en avoir la preuve, certainement la plus marquée d'ailleurs. Rappelez-vous lors de la visite de jour, ou encore lors de ma précédente visite avec Nance dans cet hôpital, nous avions également vécu ce phénomène qui dépasse l'entendement. Il est impossible que cet événement soit naturel, ou qu'il soit le fruit d'une présence d'un éventuel animal dans le lieu. Étant donné l'intensité de ce qu'il vient de se produire et de la précision de ses coups, je ne peux alors m'empêcher de penser qu'il y a peut-être un plaisantin derrière tout ça, caché quelque part dans l'une des pièces de ce couloir. Le problème, c'est que cette théorie n'a absolument aucune logique. Je m'explique. Nous avons visité de fond en comble l'hôpital juste avant notre enquête, allant jusqu'à vérifier les moindres recoins et les moindres placards, mais strictement personne ne s'y trouvait. On peut alors penser que cette personne soit arrivée après le commencement de notre enquête, ce qui est fortement possible, mais là aussi, cela ne tient pas la route. En effet, je pense sincèrement que si tel serait le cas, je n'aurais pas eu la chance de retrouver tout mon matériel et mes caméras disposées dans tout l'hôpital indemne, sans casse et sans vol. Mais surtout, si un éventuel squatteur se serait infiltré dans ce couloir, il aurait obligatoirement été filmé par la caméra du plan fixe qui justement le surveille. Or, ce n'est pas le cas, et les bruits et les coups que nous avons pu entendre proviennent bel et bien de ce couloir. Le déclenchement du vibrapode qui est positionné justement au sol de ce dernier en est la preuve. Je précise aussi que personne à part notre entourage proche n'était au courant de notre présence dans les lieux à cette date, à cette heure et du tournage de l'épisode. Tous ces éléments me confortent dans l'idée que ces coups qui viennent de retentir dans les murs de cet hôpital relèvent d'une activité paranormale, et que nous ne sommes certainement pas seuls ce soir. Si jusqu'à présent nous n'avons pas été réellement témoins directement de ces possibles manifestations inexpliquées, soupçonnant une enquête plutôt calme dont la sérénité semble régner, vous allez voir que la situation risque bien de rapidement s'inverser. Bon les amis, là on s'est reposté en fait là où on était l'autre fois dans les escaliers où on a réussi à avoir un contact assez clair et où Nance s'était fait souffler sur l'épaule. Donc on a là en fait c'est le sous-sol. Hein. Donc on a mis le pod là-bas. Je sais pas si on va le voir. Non, on le voit pas. Et on a mis le pot de peluche en haut des escaliers. Là. Voilà. Nance, t'as le K2?
Il est là. Ouais. Donc, pour l'instant, il s'est pas déclenché, quoi. Comme quoi, l'autre fois, c'était fou, quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, ici? On voudrait rentrer en contact avec vous si vous êtes là. Est-ce qu'il y a une entité qui est parmi nous et qui voudrait rentrer en contact avec nous? On s'adresse à toutes les entités, toutes les personnes qui sont peut-être ici encore dans ces murs. N'hésitez pas à vous manifester en faisant un bruit ou en déclenchant nos appareils, ils sont vraiment sans danger. Vous pouvez toucher la peluche qui est en haut des escaliers, ou alors vous approcher de l'appareil que Nance tient dans la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Je sens rien. La dernière fois, je sentais beaucoup de choses, je sentais énormément de choses. Avant de commencer, je sentais énormément de choses. Et c'est depuis qu'on a allumé la caméra que je sens plus rien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien du tout. Après, c'est vrai que des fois, les caméras, ça fait fuir, hein. C'est vrai. Hein. Des fois, c'est comme ça, en venant, qu'il se passe des choses. Et quand on prévoit, quand on prend les caméras, tout ça, ben, il se passe rien, quoi. Parce que c'est quand eux, ils le veulent et pas quand nous, on le veut, en fait, tout simplement. Malheureusement, c'est souvent ça, quoi. Donc il n'y a personne ici. Pourtant on est venu il y a 2 mois et vous nous avez parlé. Vous nous avez même dit que vous étiez un homme, que vous étiez quelqu'un qui était décédé ici. Et vous nous suiviez d'ailleurs dans tout l'hôpital.
Donc apparemment, vous vouliez pas qu'on parte. Donc là, ce soir, on est là de retour pour justement prolonger ce contact avec vous. Si vous voulez me ressouffler dessus comme la dernière fois, quand vous m'avez soufflé sur l'épaule, n'hésitez pas. Dans la nuque, ou sur l'épaule, ou sur le bras, ou me toucher, même si vous le voulez. N'hésitez pas à le faire. Je pense qu'on va aller prendre un appareil. On a plusieurs appareils expérimentés. On a donc l'appareil oui, non. On a la Spirit Box et on a aussi la boule de plasma. Voilà, on a ça et je crois que c'est tout, ouais, il me semble. Donc on va peut-être... Je pense qu'on va essayer de faire une séance de Spirit Box en haut peut-être. Au troisième étage, ouais, de l'autre côté. Allez, on va faire ça. Les bruits continuent de retentir au troisième étage de l'hôpital, contrastant totalement avec les endroits où nous nous trouvons qui paraissent pourtant très calmes. Nous allons alors prendre la décision de retourner aux étages afin d'expérimenter du matériel, notamment la Spirit Box et le boîtier Winon qui est tout nouveau dans le cadre de nos enquêtes et qui n'a encore donné aucun résultat. C'est en nous dirigeant justement en direction du troisième étage afin d'y réaliser une séance de Spirit Box que nous allons être interrompus sur notre chemin. Je sais pas, j'ai eu l'impression de voir quelque chose. Je te jure. J'ai eu l'impression de voir un truc noir passer. Je te jure. Je te jure, non, je sais pas si ça l'a filmé ou pas. J'ai vu un truc noir passer, c'est sûr, c'était une masse. Je l'ai vu parce que, attends, je vais essayer de voir si c'est vraiment... Essaye de faire des mouvements pour voir. Vas-y, essaye. Non, y'a rien. Y'a rien, c'était comme s'il y avait quelqu'un. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un en fait, j'ai même pas cru que c'était paranormal, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ça s'est déplacé, en fait c'est arrêté de bas et c'est... Y'a quelqu'un avec nous là ?
c'est mon imagination, mais je pense pas, je te jure, j'ai vu un truc. Bon, je sais pas. Écoute, on va aller faire la séance de Spirit Box en haut. Je viens de voir une masse noire se déplacer dans les escaliers alors que nous étions nous-mêmes en train de les monter pour rejoindre le troisième étage. J'ai même cru sur le moment qu'il s'agissait en réalité d'un simple visiteur ou d'un squatteur venu perturber le bon déroulement de notre enquête. Mais il n'en est rien. Personne ne se trouve dans cet hôpital. Nous sommes absolument seuls à y gravir les différents étages. J'ai même tenté de reproduire ce que j'ai vu en émettant l'hypothèse que ce soit Nance ou moi-même qui ait pu produire cette ombre. Mais en vain, aucun de ces tests ne se révélera fructueux. J'en suis maintenant convaincu. Il est pour moi indéniable, à ce stade-là de l'enquête, qu'au moins une présence maléfique habite bel et bien les lieux. Cet événement m'a totalement chamboulé, et alors que je me sentais plutôt bien depuis le début de la soirée, l'angoisse commence rapidement à m'envahir. Je tente malgré tout de garder mon sang-froid en tentant de rester rationnel et en pensant que mes yeux me jouent des tours. Et nous décidons tant bien que mal de poursuivre notre chemin jusqu'au dernier étage de l'hôpital. Notre progression au sein de ces murs oppressants ne va pas se dérouler comme prévu. Et alors que je me suis tout juste remis de cette fameuse ombre noire que je suis persuadé avoir vue, vous allez voir que la suite des événements ne pourra que me conforter dans l'hypothèse que quelque chose nous a bel et bien rejoint ce soir et semble enfin décidé à nous le faire savoir. Putain, ça m'a fait peur. On l'a fait là-bas ? On m'a touché. Arrête. On m'a touché le mollet. Arrête. On m'a touché le mollet. Putain. Oh putain. On m'a touché le mollet. T'es sérieux ? Il y a quelque chose qui nous a rejoint alors. Et on m'a touché le mollet, je te jure. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Putain, mais ça va le faire encore! Arrête! T'es sérieux? On me touche le mollet. Je te jure qu'on me touche le mollet, putain. Je suis pas du genre à rigoler là-dessus, je suis vraiment sérieux. Je souris nerveusement en fait, mais on me touche le mollet. Ça fait deux fois que ça fait ça. Ça fait comme ça. Sérieux? Ça fait deux fois, là et là. Là, j'ai rigolé nerveusement parce que j'ai... Mais je rigole pas avec ça. Là, on m'a touché le mollet, ça fait deux fois. Il est chaud. Genre, il fait chaud, c'est un tonnerre. C'est un tonnerre. Les événements s'enchaînent et la situation semble progressivement nous échapper. Face à ces deux manifestations quasi simultanées, nous avons dorénavant la conviction que quelque chose nous a bel et bien rejoint. Tout d'abord, cette masse noire que je suis persuadé avoir vue dans les escaliers. Et Nance qui vient maintenant de se faire toucher. Vous conviendrez qu'il est extrêmement difficile après ce genre de situation de garder son sang-froid. C'est pourtant ce que nous allons nous efforcer de faire. Et c'est donc dans la tension la plus totale que nous allons poursuivre notre enquête, justement au troisième étage de l'hôpital. Je te jure, vous me touchez deux fois le mollet. Là, j'étais là, j'ai rigolé nerveusement. Moi, en fait, je rigole nerveusement parce que c'est le coup qui me... Oui, oui, bah oui. Mais je rigole vraiment pas avec ça, je suis vraiment sérieux là-dedans. On m'a touché le mollet deux fois. Bah, juste après que j'ai vu ce truc. Mais après, moi, je sais pas si c'est mon imagination ou pas, mais je pense pas parce que depuis tout à l'heure, ça le faisait pas. J'ai rien vu là, vraiment, j'ai vu un truc noir. Et en plus, on sait que quand c'est noir, c'est pas bon. Je commence à avoir mal à la tête là en plus. Voilà, donc là il y a un bruit là-bas. Alors après, il me semble. Les fenêtres sont toutes fermées. Mais ouais, elles sont toutes fermées, comment ça se fait? Il y a toutes les fenêtres de fermées. Il y a quelqu'un? On a tout fermé. On a fait le tour, on a tout fermé, il n'y a pas une fenêtre qui est ouverte. C'est quoi ce bruit là? Putain, je suis mal à la tête, je suis pas bien là. Moi, je serais d'avis qu'on aille de l'autre côté, là. Au troisième, de l'autre côté, qu'on fasse le oui-non. Ça m'énerve parce que du coup, j'ai rigolé nerveusement et du coup, j'ai peur que les gens ils pensent que c'est... Ben non, nous aussi, quand, à chaque fois, dans tous les épisodes, quand des fois, il nous arrive des trucs, on rigole, mais c'est nerveux. C'est comme ça, c'est... Je suis vraiment sérieux dedans, je suis pas là pour faire croire à Rémi qu'il y ait quoi que ce soit ici ou quoi, voilà, vous l'avez bien vu depuis tout à l'heure, il se passe rien, le K2 s'est pas déclenché une seule fois, je vois pas pourquoi je rigolerais. Non, mais ça va, mais
les personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont assez intelligentes, comprennent que voilà. J'ai un sac à dos parce qu'on a tout le matériel dedans. J'ai tellement été surpris en fait que j'ai lâché la peluche en plus. Ah putain, ouais. Viens, on va de l'autre côté, je pense. Là. Là-bas? Tu penses? Vaut mieux pas de l'autre côté? Je vais le bruit qu'on entend. Allez. On va essayer. Ma lampe, elle fait n'importe quoi. C'est vrai que le lieu est quand même. Le lieu est quand même très 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 oppressant. Même si. Même si là il se passe pas grand chose. Mais bon, là ça, peut-être ça commence. Je sais pas. On va voir. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé le fait d'avoir rigolé tout. Mais non, mais c'est pas grave. Chacun sa manière de réagir dans des moments comme ça de stress. Moi je sais que c'est pareil, je rigole aussi nerveusement. Parce que c'est peut-être une manière justement de. Cette porte elle était fermée. C'est peut-être justement. Ouais, je crois aussi, hein, il me semble. C'est peut-être aussi une manière de se rassurer. C'est comme ceux qui regardent des films d'horreur au cinéma qui rigolent. Il y en a beaucoup quand vous allez voir des films d'horreur au cinéma qui rigolent parce que c'est pour se rassurer justement. C'est nerveux en fait. C'est des rires nerveux. C'est peut-être une manière voilà, de se rassurer. C'est une réaction qu'on contrôle pas. Pas bien. Voilà, c'est vrai qu'ici. Ici, je l'ai toujours dit. C'est oppressant ici. Hein. Ici, j'ai toujours dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que. C'est qu'il y a une ambiance particulière ici. Bon, alors, ici, alors voilà, donc là, t'as mis le pop-peluche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va sortir le oui-non. On peut tenter ça. Attends. Et en plus, vous avez bien. J'ai eu l'impression d'entendre crier. Je crois que là, c'est. C'est pas possible que les portes. Bah toute seule, il n'y a aucune fenêtre ici. Il y a le toit qui avait un trou ici, mais qui a été rebouché ouais, par la police rebouché, parce qu'il y en a ouais, qui non, ont pris non, par là. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? Faut que je me calme parce que le fait d'être nerveux et tout, en fait, ça me fait monter les nerfs et ça. Bon. Non mais putain, t'entends pas? Bah si, j'entends. Bon, allez, on va sortir le oui et non. Vraiment, je suis désolé, c'est vrai que c'est la première fois que vous me voyez dans les épisodes de Rémi, de JRM. Mais... Peut-être que vous pensez que je suis pas quelqu'un de... Voilà, mais non, je vous le dis vraiment, je suis vraiment... Dans ce milieu-là, je suis vraiment très... Enfin, non, mais de toute façon, t'as pas besoin de te justifier. Je respecte ça, je suis à fond dedans, il m'est quand même... Il y aura assez, toujours des gens mais pour... Il m'est arrivé des trucs assez ouf dans ma vie pour que... Il y aura toujours des gens pour... voilà, ça sert à rien de se justifier dans tous les cas. Vas-y, je vais le poser là. Hop, voilà. Bon là du coup je pense enlever le mode infrarouge. Voilà. On va rester comme ça. Alors s'il y a quelqu'un avec nous ici, on s'adresse à toutes les entités qui peuvent encore abriter cet hôpital. J'ai mis un appareil à votre disposition sur le petit rebord là. Donc c'est un appareil avec donc oui et non. Donc on peut vous poser des questions et il vous suffit de répondre donc yes ou no, donc Y yes en vert pour oui et le N de no en rouge pour non. Pour le... J'ai un énorme souffle à côté de moi, je suis désolé. Je le sens aussi. Là. Donc. Non, c'est pas grave. Attends.
J'ai entendu un bruit très aigu, il me semble que c'est le vibrapode. Ça fait ting. T'as peut-être raison. J'ai entendu aussi. Ouais. Parce que là, il est pas loin, donc on peut l'entendre. T'entends ? Là, il y a des bruits de partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y en a de partout. Putain, c'est l'angoisse. C'est franchement l'angoisse. Il y a des bruits de partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? C'est l'angoisse. C'est franchement l'angoisse. Il y a des bruits de partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? C'est l'angoisse. C'est franchement l'angoisse. Il y a des bruits de partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Là, c'est des bruits de pas. T'as entendu des bruits ? Oui, là-bas. Je te dis, il y a le vibrapode, j'en suis sûr, il s'est déclenché. Ici, on le verra façon à, je à la... Je te l'ai toujours dit qu'ici, j'entends des gens marcher. C'est ici que l'armoire, elle est tombée et que... On a entendu des gens marcher. On était là, on a entendu courir dans le couloir. Il y a toujours des bruits de pas ici. J'ai des frissons depuis tout à l'heure. Bon, on va essayer de voir avec cet appareil-là. Le pod, il s'est pas déclenché. Tu l'as allumé, le pod ? Ouais. Donc, n'hésitez pas, je vais un peu baisser la luminosité là. N'hésitez pas donc à vous approcher donc du yes en vert, Y pour oui, ou il suffit de vous en approcher pour que ça fasse ça. Voilà. Non, si, si. Approche-toi bien, il faut faire bien au-dessus. Voilà. Ok. Voilà, donc ça va juste s'éclairer en fait. Ça va. Voilà. Ça vous fera aucun mal. Alors, on va commencer cette séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cet hôpital ce soir ? Si oui, approchez-vous du yes en vert. Le bouton vert, approchez-vous pour dire oui. Ça court ici. Encore ? Oh putain de merde, je me suis pris un truc. Y'a quelqu'un avec nous ici ? T'as pas entendu ? Non, j'ai pas entendu. J'étais dans le... concentré avec ça. Truc. Non, mais tout doucement, genre très bas. Non, j'ai pas entendu. Et là, il y a des bruits là-bas maintenant. Ouais. C'est bizarre. Hein. Franchement, c'est vraiment bizarre. Et les appareils n'ont pas l'air de se déclencher pour autant. On voudrait rentrer en contact avec vous ce soir. Est-ce qu'il y a une entité qui est présente avec nous ? On entend des bruits et on sait pas d'où ça vient, on comprend pas ce que c'est. Est-ce que c'est vous qui faites des bruits depuis tout à l'heure ? Si oui, approchez-vous donc du bouton vert pour dire oui. Je
sais pas si c'est les portes battantes où il y a un problème ou si la personne qui est avec nous veut jouer avec nous. Est-ce que vous êtes là ce soir avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, alors, on va faire quelque chose. Regardez. Là, j'ai donc le boîtier noir dans ma main. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donc... Il s'est déclenché. De quoi? Il s'est déclenché, non? Quoi qui s'est déclenché? C'est moi, c'est en passant à côté. Il s'allumait? Oui, sur IS. Sérieux? Mais qu'est-ce que c'est cette porte? Je comprends pas là. Y a pas de courant d'air là. Il s'allumait sur la porte? Ouais, non, non, mais c'est bon. C'est bon? C'est en passant à côté en fait. Ah ouais? Ouais. Je me suis retourné, j'ai dû me retourner et passer devant sans faire exprès. Okay. J'ai dû le faire, mais en fait, vu que je l'ai vu allumer, je me suis dit putain, c'est bizarre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous déclenchez cet appareil pour nous montrer une direction à prendre. Parce que peut-être que vous avez envie qu'on vienne à un endroit particulier de l'hôpital. Et donc, avec cet appareil, on peut savoir quelle direction vous souhaitez nous faire prendre. Voilà. Alors, on va tenter. Alors, si vous voulez qu'on aille vers là... Est-ce que vous pouvez faire déclencher l'appareil que je tiens dans la main? Vous approchez de cet appareil qui est sans danger. Si vous voulez qu'on aille vers là-bas. Tu veux pas que l'aspirateur? Oui, on va tenter. C'est juste de faire ça. Alors, si vous voulez qu'on aille dans ce couloir là, est-ce que vous pouvez faire déclencher l'appareil, s'il vous plaît? Il vous suffit de vous approcher, c'est vraiment sans danger. Non mais c'est une blague, elle s'ouvre. On dirait que ça fait comme si les portes se poussaient comme ça. Mais c'est ça. Et qu'elle voulait nous dire entrer en fait. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu parler. Et là aussi, non, putain. Ça a parlé là? Oui, et là il y a eu un boom. Je vais me remettre en infrarouge, je pense. Ça a parlé quoi? Ah oui, ça a parlé, j'ai entendu une voix. Est-ce que ça vous a dérangé le fait que j'ai ouvert la porte? Il y a du bruit de l'autre côté, putain! Eh oui, j'entends. J'espère
J'espère que le plan fixe, il aura chopé des trucs. On va aller faire la spirit box. J'ai entendu une voix. Mais moi aussi, j'ai entendu la voix. Je t'ai dit, c'est quoi ce bruit? Attends. C'est quoi? Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des bruits partout. Bon. Cet appareil, malheureusement, il est encore... Il a encore tendance à ne pas donner de résultats, malheureusement. C'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose d'inédit en France et... Non mais c'est abusé là, attends. Les portes, en fait, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire allez-y, rentrez. Ouais, mais attends, c'est abusé là, attends. Il n'y a pas de courant d'air et en plus, t'as vu comment elle se pousse. En plus, c'est des trucs qu'il faut de la force, quoi. Même si ça serait un petit courant d'air de merde, il pourrait pas faire ça. Attends, là, c'est carrément, elle s'ouvre, quoi. Alors que là, il y a tout qui est fermé, il y a pas de courant d'air. Tu sais le courant d'air? Non. Il y a pas de courant d'air. Mais j'ai ouvert, j'ai entendu une voix. Ben oui, moi aussi, j'ai entendu la voix. Je sais pas ce que c'est. Ben on va l'entendre, t'es sûr, au micro, on l'aura entendu. Je sais pas si ça disait entrer ou partez. Je sais pas. Mais c'était une voix d'homme. Mais oui, c'était une voix très grave. Vient effectivement d'y avoir un son bien distinct qui se rapproche auditivement de ce que pourrait produire une voix. C'est d'ailleurs ce qui nous a vivement interpellés sur le moment, éveillant notre stupéfaction et notre angoisse. A priori, une voix d'homme, dont nous n'arrivons pas à comprendre le sens de ces quelques mots qui ont pu retentir. Cependant, après avoir revisionné les images à tête reposée lors de l'analyse, j'ai pu me rendre compte que ce bruit n'a certainement rien de paranormal. Il est en effet fort probable que ce dernier ait été produit par la porte qui justement était en train de se refermer à ce moment-là, juste après que Nance l'ait légèrement entr'ouverte. En observant bien la scène, cette théorie est tout à fait logique, et certainement la plus probable et la plus rationnelle pour justifier ce phénomène. Il est vrai que nous ne sommes pas à notre aise, depuis plusieurs minutes, dans l'hôpital. L'angoisse dans laquelle nous nous trouvons après avoir vécu tous ces phénomènes précédents met à mal notre rationalité. Dans cette situation où nous devenons vulnérables, le moindre bruit peut paraître étrange et être facilement modifié ou amplifié par nos sens et nos émotions. Nous nous retrouvons ainsi dans une situation de faiblesse pour pouvoir discerner ce qui est réellement anormal de ce qui ne l'est pas. C'est dans l'angoisse la plus totale que nous allons tenter de réaliser une séance de spirit box dans l'un des couloirs de l'autre partie du troisième étage. Face aux nombreux événements survenus au sein de ce dernier, nous espérons fortement pouvoir obtenir des voix à travers cet appareil. Bon, on va tenter de faire la séance de spirit box ici. On est au troisième étage de l'autre côté. C'est ici que t'avais entendu le coup, je crois. C'était là. Voir un truc. Là, il y a absolument tout qui est fermé aussi, hein, vous le voyez. Il y a même les volets ici qui sont fermés. Donc, ouais. Je vais laisser le pod quelque part. Essaye d'allumer. Attends, mais du coup, ça meurt. Quoi? Tu veux qu'on appelle la spirit box? Éteins l'enceinte. Ça marche dans l'hôpital. Comment?
commence à avoir beaucoup beaucoup de bruit là. Ouais. Bon les amis, là on s'apprête à faire donc la séance de Spirit Box, donc je l'ai allumée, elle est juste ici. Hop. Voilà. On a mis le pod ici aussi. Alors n'hésitez pas à nous parler, on a un appareil qui permet de vous entendre. Ça s'appelle une Spirit Box, c'est une radio qui est bridée. Donc vous pouvez parler et logiquement... on pourra peut-être entendre votre voix. Donc n'hésitez pas à le faire, on va vous poser des questions. Vas-y Nancy, si tu veux poser des questions aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans cet hôpital ? Ça a parlé là. Oui. Non, dedans ? Oui, oui, c'était dedans. C'était dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Oh non, attends, il manquait plus que ça. Je suis allé. Sérieux ? Ah, je te jure. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, j'ai des baisses d'énergie, mais un truc de malade. On va s'asseoir. Je vais poser ça. Je sais pas pourquoi j'ai des baisses d'énergie comme ça. Les jambes me tremblent. Je précise qu'on est dans le noir total. Hein. Ma lampe que j'ai dans la main, celle-là, là, elle est éteinte. Hein. Comment vous appelez-vous ? Moi, je m'appelle Rémi. Il y a Nance également. Et on aimerait donc connaître votre prénom à vous. Comment vous appelez-vous ? Rejoignez-nous, s'il vous plaît, si vous êtes là, s'il y a une entité dans cet hôpital. On est là uniquement ce soir. C'est le moment de nous rejoindre maintenant. Est-ce que vous êtes là ? Il y a eu un truc encore là. Plus loin de bien. Il y a des bruits. Quel est votre prénom ? Pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît ?
Ouais, dans le noir, comme ça, ça éveille le sens. C'est bien. C'est bien. Hein ? C'est pas ? Quand on est dans le noir, comme ça, ça éveille nos sens. C'est-à-dire qu'en gros, on est plus réceptif. Non. Justement, ça éveille nos sens. C'est-à-dire qu'en gros, on est plus réceptif auditivement et visuellement. On ressent plus les choses. Hein. Est-ce que vous êtes décédé ici, dans cet hôpital ? Si c'est le cas, dites-nous oui. Cet appareil pourra peut-être vous entendre. Enfin, grâce à cet appareil, on pourra peut-être vous entendre plutôt. T'as pas l'impression qu'en arrière-fond, il y a une espèce de... Tu peux arrêter, s'il te plaît. Hein? Tu peux arrêter, s'il te plaît. Tu peux comprendre. Tu peux arrêter, s'il te plaît, s'il te plaît. Je me sens observé. J'ai l'impression que j'ai mon cou qui me gratte sa mère. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là dans l'angle. J'ai une baisse de... L'atmosphère pesante et oppressante, dans laquelle nous sommes imprégnés depuis maintenant de longues minutes, commence sérieusement à compliquer notre enquête. La séance de Spirit Box que nous venons de mener nous aura tout de même permis de capter deux voix très nettes, qui semblent être au premier abord des voix féminines, dont une qui dirait « moi » en nous interrogeant. Ces deux voix sont les seules que nous aurons la chance d'entendre dans la Spirit Box. Nous allons donc décider de mettre un terme à cette séance et de rester postés dans ce couloir, dans le noir et dans le silence, attentifs au moindre bruit et à l'affût de tout ce qui pourrait venir perturber nos sens bien éveillés. En étant au même étage que la caméra du plan fixe qui filme depuis le début des scènes terrifiantes, nous sommes en train de comprendre qu'il s'y passe réellement quelque chose et que des bruits anormaux retentissent dans l'hôpital. Ça va parler, non ? Je pense que c'était un bruit. Moi, j'ai pu penser que c'était un bruit. Alors, je vais faire un bruit. Est-ce que vous pouvez refaire le même, s'il vous plaît ? Je vais taper contre le mur. Allez-y. J'entends marcher. J'entends pas ? Oui, j'entends assez. Ça marche là-bas. Et là, il y a un bruit. Ouais. Mais là, ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ? On veut rentrer en contact avec vous. Manifestez-nous. Manifestez-vous. Non, manifestez-nous votre présence. Voilà, on va y arriver. Je commence à être fatigué aussi. C'est
C'est quand même bizarre que le K2 s'est pas déclenché. Ouais, il s'est pas déclenché une seule fois, quoi. Alors, ça peut être un craquement, comme ça peut être... Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? On voudrait être sûr. Je sais pas, moi j'ai toujours l'impression que ça marche là-bas. Moi j'ai l'impression que c'est là. J'entends des bruits là. Ouais, là j'ai entendu. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main actuellement, avec la lumière verte? C'est sans danger. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Mais en fait, là, il y a des deux côtés. Là, il y a eu un bruit. Ouais. Là. Il y a quelqu'un ici avec nous. Approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un ici? Quelqu'un qui est peut-être décédé ici. Est-ce que vous êtes là avec nous? Malgré les bruits glaçants qui continuent de se faire entendre au troisième étage de l'hôpital, nous n'obtiendrons aucune réponse supplémentaire à nos interpellations. Nous allons donc décider de faire une pause et d'aller prendre l'air, afin de reprendre nos esprits et pouvoir ainsi poursuivre cette enquête dans de bonnes conditions. À notre retour, avant de reprendre le tournage, je vais prendre le soin de changer les batteries des plans fixes qui d'ailleurs étaient vides pour celles du premier étage.
c'est avec une grosse interrogation que je vais découvrir quelques semaines plus tard, lors de l'analyse des images, qu'entre le moment où j'ai changé la batterie et relancé l'enregistrement, et le moment où ce dernier va s'éteindre, il ne va s'écouler que 4 minutes environ. Je ne comprends pas comment cela peut être possible, en sachant qu'une batterie de ce type de caméra tient habituellement environ plus d'une heure, et en sachant surtout évidemment que toutes les batteries étaient pleinement chargées, ce que je m'assure systématiquement avant chaque tournage. Le mystère reste donc entier. Je vous propose de visionner cet extrait. On va aller, pour terminer tout à l'heure, on va aller là où on n'est pas allé. C'est où on n'est pas allé? Peut-être vers l'église. On est allé, mais on n'est pas allé dedans. Je ne sais pas quoi en penser, et à l'heure actuelle, je ne trouve aucune explication logique qui puisse justifier cet arrêt brutal de l'enregistrement. Les amis, on est de retour, ça y est, on a fait une petite pause là, parce qu'on avait besoin un peu de reprendre l'air, de boire un peu aussi, parce que l'endroit est très très poussiéreux, donc ça fait du bien aussi de boire, parce qu'en plus il fait hyper chaud dehors. Je suis toujours avec Nance qui est là, ça va toujours Nance? Ça va. Ça va mieux que tout à l'heure? Ouais. Fait d'avoir, prendre l'air, d'avoir pris l'air. Je suis allé dehors, j'allais beaucoup mieux, j'étais plus fatigué ou quoi, et c'est quand je suis à l'intérieur et surtout. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu, il y a eu un bruit. Alors là, pour vous dire. Donc, pour vous dire, là, on se trouve dans ce qui était, on suppose, la maternité, puisque donc c'est là où il y a tous les. Les lits de bébés, les petites baignoires de bébés, les dessins de bébés, les jouets. Donc on pense que c'est ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a disposé ici la boule de plasma et le pot de peluche ici. C'est adapté aux personnes qui étaient ici, à savoir donc des enfants, hein, des enfants très jeunes. Donc peut-être qu'on peut avoir des résultats comme ça. Alors on a bien espacé les deux parce que du coup la boule des fois elle fait déclencher le K2, le pod. Donc là on a bien vérifié et le fait de toucher... De toute façon, le pod se déclencherait si... Vas-y, essaye de faire la démonstration. Enfin de mettre la main dessus. Voilà, et vous voyez très bien que le pod là ne réagit pas. Voilà, donc il faut l'espacer en fait un minimum. Donc là il doit avoir, je sais pas, il y a combien de mètres entre les deux là. 2 mètres et demi, je pense. 2 mètres et demi, un peu plus. 3 mètres, je pense. Donc voilà. Alors, rebonsoir. Donc, on est de retour. On a fait une petite pause. On est donc de retour ici, dans cette partie du bâtiment. On n'était pas encore venu pour cette enquête. On est venu juste lors de la visite de jour, cet après-midi. Il y a des bruits là. Il y a des bruits là-bas, c'est bizarre. C'est quoi là-bas? C'est des toilettes. Mince, ah ouais, il faut que je fasse attention avec le K2. Ouais, par rapport à la boule. Ouais, il y a un spécial là. Non, c'est les toilettes. Est-ce qu'il y a des entités ici qui sont parmi nous, peut-être des enfants? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez. Vous joindre à nous, nous manifester votre présence. On vous a mis donc des appareils au sol, c'est sans danger. Il y a donc une peluche juste ici là que je filme. Vous pouvez la toucher, elle est vraiment sans danger. Et il y a cette boule, vous pouvez la toucher aussi également. Ça nous permettra de voir que vous êtes bien avec nous et pourquoi pas tenter d'établir un dialogue. J'ai pas entendu. Ouais, c'est un craquement ça.
Vous pouvez aussi nous manifester votre présence en faisant un bruit, si vous préférez. N'hésitez pas à taper contre quelque chose, à taper contre une porte, à taper contre un mur. Vraiment la manière que vous souhaitez. Vous pouvez également parler. Notre caméra permettra donc d'enregistrer vos voix, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ? Nous nous adressons à toutes les éventuelles entités qui habitent cet hôpital. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ? Faites un bruit s'il vous plaît, on va bientôt partir. Si vous voulez vous manifester maintenant, faites-le. Faites des bruits, faites-nous voir que vous êtes là. Faites-nous voir votre présence. Il y a des bruits toujours dans la même pièce. Ouais, c'est là-bas. Vous êtes avec nous ? Il y a plein de bruit là-haut. Là-haut. Il y a plein de bruit d'un coup là. Là-haut. Ah, c'est chaud là, il n'y avait pas de bruit comme ça. Il y a des bruits là-haut. C'est d'un coup là. Est-ce que vous pouvez taper contre quelque chose ? T'as tapé là ? Mmh. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans la pièce où nous sommes actuellement, s'il vous plaît ? On a du matériel. Ça serait bien si vous pouvez le déclencher, on pourrait établir un dialogue. Et pourquoi pas vous aider si vous avez besoin d'aide. C'est quoi ce bruit là ? Ouais, il y a un bruit juste derrière. C'était pas la boule au moins ? Non, c'était pas la boule. Parce que ça a fait un bruit un peu comme du verre. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. T'es sûr que c'est pas la boule ? Oui, c'est ça, ça a fait un bruit de verre, mais c'est pour ça justement. On aurait dit que quelqu'un tapait sur la boule en fait. T'es sûr que c'est pas ça ? Je sais pas, la boule elle a pas bougé. Non, elle a pas bougé, mais je sais pas. Précise, il est actuellement 5h13 du matin. Ouais. Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on est là.
Est-ce que notre présence vous dérange? T'entends là-haut le bruit que ça fait? Ah, j'entends. Oh, ça s'énerve. Mais attends, c'est quoi, sérieux? On a quel étage là? Hein? On a quel étage? Premier. Premier, je crois. Il y a beaucoup de bruit en haut. Ah, mais bon, à chaque fois. On dirait oui, que c'est... quand on est en haut, il se passe. C'est ça, c'est ça. On dirait que ça joue avec nous encore une fois. Après, de toute façon, là-haut, s'il y a des trucs, on le saura parce qu'on a les plans fixes. Donc. À croire qu'en fait, ça veut pas être filmé. En fait, ça veut pas être filmé. Parce qu'ils le savent ainsi. Moi, je pense qu'ils le ressentent qu'ils sont filmés. Mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça, en fait. C'est toujours à l'endroit où on n'est pas. C'est une nouvelle fois au dernier étage de l'hôpital que des bruits très conséquents se font entendre. Des bruits très intenses, si bien que nous parvenons à les entendre alors que nous nous trouvons seulement au premier étage à ce moment-là, dans la maternité. Quant à cette dernière, nous n'y obtiendrons aucun résultat concret. De simples bruits qui peuvent toutefois trouver une explication rationnelle, mais aucun déclenchement d'appareil ni aucun PVE enregistré. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de susciter une réaction en utilisant le pot de peluche ou encore la boule de plasma, ces derniers étant parfaitement adaptés pour des enfants. Nous allons alors continuer de déambuler dans l'hôpital en interpellant d'éventuelles entités. Nous allons rejoindre l'église, le sous-sol, un des couloirs du premier étage, mais nous n'obtiendrons aucun phénomène notable dans tous ces endroits. Il est très tard et le jour commence à se lever. Nous allons alors rejoindre le deuxième étage de l'hôpital, là où nous avons débuté notre enquête, afin de la clôturer. Oh, ça marche. Et il y a eu un bruit. Ouais, ça marche. On dirait qu'il y a une petite fille qui chante. T'entends? Ouais, ouais, j'entends. Et j'entends les bruits de pas aussi, là. Alors là, par contre, c'est dans le bâtiment. Ça, c'était gros, ça. Et ça, c'était gros. Ça venait d'en haut.
T'es fatigué. Ouais, de ouf. T'en veux plus. Vous savez pas, vous êtes derrière votre écran, vous regardez, mais je vous garantis que ça vaut du travail. Vraiment. C'est... Je vous garantis que c'est du travail, que c'est fatigant. Et que... Ça fait plaisir à entendre. C'est vraiment... C'est pas... Pensez pas qu'on est juste là à se balader dans un lieu abandonné, à essayer de... C'est énormément de travail, vraiment. Mais c'est en plus du tournage, de l'installation, tout ça, derrière, il faut savoir qu'il y a le montage qui prend énormément L'analyse de temps. L'analyse aussi. L'analyse qui est très fatigante, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Franchement, merci à tous ceux qui croient en cette chaîne. Enfin, c'est plutôt à Rémi de dire ça, mais tous ceux qui croient en cette chaîne, tous ceux qui pensent que nos épisodes ne sont pas truqués, que ça vaut du travail, que... Voilà, c'est la première fois que je fais un épisode avec Rémi et je me rends compte que en fait c'est très compliqué, c'est très fatigant et ça pèse sur ça nous pèse dessus et c'est à la fois le stress de qu'il n'y ait pas de truc et que on n'a pas envie de vous décevoir, on a pas envie c'est de décevoir forcément. On a pas Il y a envie toujours une pression, hein, c'est ce que je disais avant. Et voilà, et on a envie de vous donner des résultats et voilà, mais malheureusement c'est pas nous, ça c'est pas nous qui le décidons, mais ça vaut vraiment énormément de travail et je m'en rends compte aujourd'hui, donc franchement merci à tous ceux qui soutiennent Rémi et tous ceux qui soutiennent la chaîne et partagez un max pour qu'elle soit vue parce que franchement ça vaut vraiment de l'or ce qui se passe dessus. Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir, mais c'est vrai que comme dit Nan, c'est vrai que c'est un boulot de malade, du tournage à la sortie de l'épisode, en fait c'est un boulot de malade parce que déjà la recherche du lieu, les repérages, quand on regarde qu'il y a bien personne, tout ça c'est un truc de malade, et puis après l'installation du matériel c'est hyper fatigant, tu l'as vu Nan, c'est voilà, il faut décider, ouais, faut une heure pour tout installer, faut décider où on met ça, tout installer, tout ça. Monter, descendre, voilà, après là, faire l'enquête, c'est épuisant aussi, après il faut tout rassembler matériel, tout ranger, tout reporter, parce que là en plus on est à pied, voilà. Ça compte le trajet, il y a énormément de dépenses, ça compte le trajet. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bon après voilà, la Rémi, je l'héberge moi, parce que j'habite ici, mais quand on dort dans des hôtels ou des choses comme ça, les repas, tout ça, voilà, c'est pour ça que... C'est du travail, voilà, c'est peut-être pas il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un divertissement, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Énormément, ouais. Après, vous me direz, c'est notre choix, hein. On n'est pas obligé de faire ça, hein, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quand même important de le dire, parce que c'est vrai qu'il y en a des fois qui s'en rendent pas compte. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail et continuer à l'encourager, à croire en lui, parce que c'est vraiment... il en a besoin et il le mérite. Merci, c'est gentil. Et c'est vrai que c'est aléatoire et c'est vrai que c'est important aussi de dire ça pour les gens qui disent « Ouais, il se passe rien, c'est nul. » Voilà. Ah ben mince, ma facecam s'est éteinte. Je viens de le voir, là, elle n'a plus de batterie. Bon, c'est pas grave en tout cas. On va mettre un terme en tous les cas à l'enquête. Mais voilà, en tout cas, c'était un petit message rapide. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode avec toi. Ben écoute, moi aussi, franchement, merci beaucoup, Nance, à toi. J'étais peut-être un peu chiant et tout, parce que, mais voilà, je... Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'étais très bien, j'étais à l'idée de commencer cet épisode, et il y a quelque chose qui m'a enlevé mon énergie, je sais pas, je me suis senti tout faible d'un coup. Donc voilà. Non, mais en tout cas... J'espère que ça vous aura fait plaisir, que je sois... j'arrive plus à parler. Que j'ai fait partie de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être sur la chaîne de JRM. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi, Nance, d'avoir participé à cet épisode. Ça m'a fait très plaisir de le faire avec toi. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir voulu faire ça avec moi. Et bah, c'était cool aussi de faire du coup un espèce de complément d'enquête par rapport à la vidéo vlog Urbex qu'on avait tournée ici. Qui est d'ailleurs dispo, hein, toujours sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. C'est le titre, c'est vlog suivi par une entité dans un hôpital hanté. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup à toi, Nance, et merci pour ton professionnalisme. Merci beaucoup aussi à ceux qui sont venus sur ma chaîne YouTube par rapport à Rémi qui m'a fait énormément beaucoup de pubs. Merci beaucoup, hein, d'ailleurs. Voilà, bah, d'ailleurs, je la remettrai là et puis en barre d'infos également dans la description. C'est gentil, merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part. J'ai reçu vraiment beaucoup de bons retours.
pour la musique, tout ça, et merci beaucoup, ça me touche vraiment. C'est vraiment quelque chose qui nous touche à continuer et qui nous pousse à persévérer, à croire en nous et à croire en notre rêve. Et si je dois faire passer un message, c'est croyez en vous et croyez en vos rêves et allez jusqu'au bout, ça finira toujours par payer. Voilà. Au revoir. Bon, allez, on va dire au revoir en tout cas sur ces belles paroles. Merci en tout cas d'avoir... on n'a pas eu de résultat depuis, hein, le pod il s'est pas déclenché, hein, pendant le temps qu'on parlait. Donc merci beaucoup de vous être joint à nous. On n'a pas encore fait l'analyse des images qui ont été enregistrées par nos plans fixes. Donc on verra ça en tout cas dans quelques jours. Merci en tout cas de vous être joint à nous. On vous souhaite de reposer en paix ici, hein, comme d'habitude, comme on le dit dans chaque lieu où on va. On ne sait pas dans quelles conditions vous êtes. Mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur. Voilà. Nous, on part. Donc, évidemment, on vous demande de ne pas nous suivre. On ne vous l'autorise pas. On préfère que vous restiez là pour que... Voilà. Voilà. C'est pour notre bien, c'est pour votre bien à vous. On vous a pas embêté, voilà, on n'a pas cherché à vous. À voilà, vous on voulait juste vous aider. Ce qui vous appartient, voilà, on voulait juste vous aider. Donc n'essayez pas de nous suivre et restez ici, s'il vous plaît. Voilà, donc merci à vous en tout cas de vous être joints à nous. On reviendra peut-être pour faire une petite vidéo comme ça, vite fait, je sais pas. On verra en tout cas. Voilà, merci à tous en tout cas de... Merci à vous plutôt. Je dis merci à tous comme si je parlais aux abonnés. Merci à vous en tout cas de vous être joints à nous. Nous, on va ranger notre matériel et on part. Voilà. Donc merci beaucoup et peut-être à bientôt. Et merci encore à Nance d'avoir été avec nous. Merci à toi Rémi. Merci beaucoup aux personnes qui sembleraient habiter ces lieux. Voilà. Merci beaucoup, je suis beaucoup venu dans cet hôpital. Je pense que c'est la dernière fois que j'y mettrai les pieds. Je suis assez venu ici, je vous ai assez dérangé. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces fois où vous êtes manifesté. Et voilà, reposez en paix et merci beaucoup à vous et bon courage pour la suite. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, merci beaucoup et à bientôt. Voilà, merci à vous, au revoir, à bientôt. Notre enquête dans cet hôpital touche à sa fin. Elle fut particulièrement difficile à mener. L'oppression dont nous avons été plongés durant ces quelques heures de tournage fut très éprouvante. Je pense malgré tout que nous avons su garder notre sang-froid et gérer nos émotions comme nous le pouvions, même dans les moments les plus angoissants. Quant à savoir si cet endroit est réellement le théâtre de phénomènes paranormaux, je pense sincèrement que cette enquête peut véritablement nous éclairer sur la réponse. Il y a eu ces bruits terrifiants enregistrés au troisième étage. Ces éventuels PVE dont ces deux voix qui ont retenti dans la spirit box. Cette masse noire que j'ai vue du coin de l'œil dans les escaliers. Cet arrêt brutal de l'enregistrement alors que je venais à peine de changer la batterie. Nance qui s'est fait toucher à deux reprises. Ces sensations d'oppression et de mal-être. Mais surtout ces quatre coups donnés dans le mur du troisième étage, en réponse aux coups donnés par Nance. Il est donc pour moi indéniable que cet hôpital est bel et bien hanté par quelque chose, et que nous n'étions de ce fait pas seuls ce soir-là. Durant l'analyse et le montage de cet épisode, je vais vivre plusieurs phénomènes troublants qui vont me pousser à envisager l'hypothèse que quelque chose m'aurait suivi depuis le tournage de cette enquête. Je vais même en avertir les personnes qui me suivent sur mon Snapchat personnel en leur manifestant mon inquiétude. Pour la petite anecdote, il faut savoir aussi que deux jours avant l'enquête, Morgane a fait un rêve où nous étions justement confrontés à une masse noire dans un lieu, lors du tournage d'une enquête. Au jour d'aujourd'hui, tout semble heureusement avoir disparu, et le calme est de retour. Depuis notre tournage, l'hôpital de cet épisode a totalement été fermé et condamné. Malgré cette envie omniprésente qui nous hante, nous n'aurons donc plus jamais la possibilité d'y retourner afin d'y réaliser une contre-enquête. Reste à savoir ce que cet endroit maudit deviendra dans le futur, et si ce qu'il renferme entre ses murs s'apaisera ou pas au fil du temps. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas prêts d'oublier cette nuit terrifiante dans l'hôpital de l'angoisse.